Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiacimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiacimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Alors, bana poto, bana gisasa, bana mukili mubimba, bakongo mani. Donc, tiagi batembe, bisomo to kiti sur terrain. En tout cas, ma montre est bien à Kodia Simo et Zavre. Dans ce qui va nous n'ouvre pas à bateau, rien. Tout ça sur le terrain, Bozomona, Cop de Gel Bandi. La misère est aussi ma chantier à installer. Donc, à mon pépé à pire, salité à Gisa, Sam, Bindo à Gisa, c'est ce qui Kuna, à Waso, commis. Donc, vous en êtes à Paris, aux États-Unis, aux Québec, soit à Port. Donc, à Oya Makamb. Rango, au père, Tiala Nayo, bon, déjà au Tongam. Donc, d'où tes athées, à ma mosaïque à vrai, Zomona déjà. Base structure nous déjà vendu chantier zéro installé donc à magamoza ok donc au bout qu'on a été père parce que dans 2 ans dans 3 ans il est comme à l'air à ma casse alors il y a un la moitié demi investi le bonayo au palais qui tient à nanzili au yé chez eux au vendu qui m'y a mon pépé bien donc on a pas doute n'a combien on a au moins à ma cambo au moins on a déjà chantier zéro installé ça les autres ça les mains donc magamoza n'a ok mon apoto noko Yébela Rango, chez yo, et retourne à place, c'est bien mon pépé bien, ben c'est tout le monde à gouvernement, l'on a déjà, et d'autres dégagé mon pépé mort, y'a donc, y'a pire. Donc, d'où t'y a-t-il? Tant bon. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiacimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Il circule les images du corps de Monsieur Gabi Bembi. Voici notre position avant la vérité des enquêtes. En analysant les images, nous pouvons affirmer qu'il est le seul à avoir des hématomes au visage. Pourquoi ? Parce que les auteurs de l'assassinat devaient apparemment camoufler un assassinat qu'ils devaient commettre juste après la prise des images. Il fallait salir la victime avant de l'assassiner pour désorienter l'opinion. Nous pensons que les images de l'assassinat de Mr. Chebeya sont encore fraîches dans nos mémoires. Vous vous rappellerez que les images de Monsieur Chebeya qui circulaient à l'époque le montraient avec des préservatifs juste pour désorienter l'opinion. Et pourtant, la suite du procès nous avait démontré le contraire. 2. Vous remarquerez également qu'il n'y a aucune image de Monsieur Gabi Bembi en plein ébat sexuel alors que les images des autres détenus circulent. 3. Sur la photo capture du groupe WhatsApp, vous trouverez les numéros de tous les participants aux orgies, sauf le numéro du défunt. Pourquoi ? Parce qu'il ne faisait pas partie de cette partouze. La question qu'il faut encore se poser est pourquoi son numéro est toujours opérationnel. Mais, nous ne savons pas jusqu'à présent qui détient son portable. 4. Monsieur Bembi était déjà chez lui en famille après le boulot quand il avait reçu l'appel de son ami lui demandant de le rejoindre. Les questions que nous posons ici sont les suivantes. Pourquoi cet ami est-il introuvable? Pourquoi son numéro ne passe plus? Pourquoi a-t-il déménagé? 5. Les images du traceur GPS de la MONUSCO que nous détenons prouvent que le véhicule n'était pas à ma campagne dans le lieu où se passaient les orgies. 6. Ils veulent nous faire croire que l'hématome sur le visage est dû au fait qu'il avait sauté d'un immeuble de 3 niveaux. Non seulement qu'il n'était pas présent dans le lieu où se passaient les orgies puisqu'on l'y a emmené juste pour couvrir un crime odieux qu'ils allaient commettre plus tard après la prise des images. Mais aussi, le bâtiment n'est pas de 3 niveaux mais d'un seul niveau qui ne peut pas coûter la vie à un adulte en cas de saut comme certains affirment qu'il aurait sauté de là. 7.
Les images de sa dépouille prouvent que le monsieur a été torturé avant sa mort. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il s'agit d'un assassinat dont nous ignorons encore le mobile. Pensez-vous que quelqu'un peut être torturé à mort juste parce qu'il avait participé à une partouze ? La réponse est non. Et pourquoi, aucun détenu n'a été torturé sauf lui. C'est ainsi que nous continuons à affirmer que le mobile de l'assassinat est ailleurs, et non les orgies comme on veut nous le faire croire. 8. Jusqu'à présent nous ignorons toujours qui a déposé le corps à la morgue. En conclusion, nous demandons à l'opinion publique de s'abstenir des commentaires, tout en laissant la justice faire son travail puisque nous avons porté plainte et 2 personnes sont déjà aux arrêts. Les enquêtes continuent et nous attendons que la justice fasse son devoir constitutionnel au service de tous les Congolais, qui sont égaux devant la loi. Merci. La réaction de la famille du défunt. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiassimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiassimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Alors, bana poto bana kisasa bana mukili mubimba bakongo mani. Donc to tiagi batembe bisomo to kiti sur terrain. En tout cas, je suis un peu de temps à faire. Donc, si je ne suis pas un bateau, rien. Tout ça sur le terrain, je suis un peu de gens. Je suis un peu de chantiers à installer. Donc, je suis un peu de pire. Salité qui ça, ça, c'est ce qui est commis. Donc, vous allez être à Paris, vous allez être à Paris, vous allez être aux États-Unis, vous allez être à Québec, soit à toi. Donc, je suis un camp. Et un père, tu as l'air de moi, bon, déjà, je suis donc, d'où tes athées? Ah, ma mose est vrai, je suis déjà. Base structure du Japandi, chantier zéro installé, donc à Magamoza, ok. Donc au bout qu'on a été père, parce que dans 2 ans, dans 3 ans, il y a comme à l'air à ma casse, alors qu'il y a un mois et demi, investi le Ronayo, au Tengile au palais, au Kitina Nanzili, au Yesheyo, au Vandi, qui m'a mou pépé bien. Donc on a quand même des doutes, on a combien, on a au moins à ma cambo, on a déjà chantier installé, ça les autres salles, donc Magamoza, ok. Moi, la poto, noko, il y a chez eux, il y a bien, mon pépé bien, mais tout le monde a gouvernement, l'on a déjà, ils ont dégagé mon pépé, mon rien, donc, il y a pire. Donc, tout y a-t-il. Tant bon. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiassimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.